Bonjour Marlise, bonjour Esther. Alors voilà, avec vous, on va en Alsace. Alors c'est une région qu'on aime bien en Belgique, c'est une région qui est chargée d'histoire. Et puis on est toujours heureux de vous reconnaître parce que ça donne un air de vacances aussi. Pas des plagistes là-bas, mais la campagne c'est très bien. Alors Marlise, vous allez un petit peu nous parler de votre établissement. Ça se trouve où tout ça ? Alors, je représente l'hôtel-restaurant La Perle des Vosges, qui se situe dans la vallée de Münster, à 2 km de Münster et à 20 de Colmar, en flanc de montagne situé très au calme. Nous avons 45 chambres, une restauration qui est faite par un maître restaurateur et cuisinier de France. Dites-moi, vous vous situez un petit peu comment dans l'hôtellerie ? C'est du luxe ? C'est familial ? C'est quoi ? Alors, notre hôtel est familial. Donc, il y en a pour tous les âges et nous travaillons également aussi avec énormément de groupes. Et dites-moi, dans votre région, dans la région se trouve votre hôtel, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut vous trouver pour en excursion d'un jour ou de plusieurs jours ? Qu'est-ce qu'on trouve chez vous finalement dans cette région-là ? Et beaucoup de randonnées. Et il y a énormément de visites. Vous avez la route des crêtes, vous avez toutes les fermes auberges, vous avez la fabrication du fromage de Münster. Tout ça, c'est dans notre région. Et tout ça, on peut le faire en une journée. Très bien. Par rapport à Liège, par exemple, ça se trouve à combien de kilomètres chez vous ? Environ 500 kilomètres de chez nous à Liège. Voilà, donc... On ajoute 100 km si on habite Bruxelles et puis voilà. Donc c'est pas très très loin en définitive et c'est un beau lieu de dépaysement. Ça c'est très bien. Alors vous Esther, vous représentez carrément une station de ski. Oui, la station du ski du Schnepfenried qui est également dans la vallée de Münster. Vous pouvez répéter le nom là ? Le Schnepfenried. Pas simple. Nous, hein. on dit le Schnepf pour raccourcir, voilà. Alors, mais c'est une station de vacances d'hiver, c'est une station très familiale. Et moi, là-haut, je n'ai pas d'hébergement, donc je fais le salon avec Marlise. Ah, bah d'accord. Et alors, en été, qu'est-ce que vous faites ? Ben, il y a un parc aventure là-haut, et donc j'ai un restaurant de montagne, et le parc aventure m'amène du monde. Ah bah oui, voilà. Été, hiver, quoi. Ah oui, donc on peut aller toute l'année chez vous, finalement ? Toute l'année. Ah bah voilà, on ne va pas le manquer. Restaurant de montagne là-haut, et il est à 1200 mètres, et c'est bien. 1200 mètres. Les plats ne viennent pas d'en bas, il y a une cuisine dans le restaurant. Comment ? Les plats ne viennent pas d'en bas, vous êtes à 2000 mètres. Il y a une cuisine. C'est un restaurant tout neuf. Hein. C'est ça. Ah ben voilà. Vous pouvez le regarder. Ah ben voilà, c'est très gentil à vous. Voilà, à bientôt. Allez, tout le monde en Alsace alors. Hein. À très merci vite. Hein. Au revoir, merci.